Vous êtes... Oui, 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 tout à l'heure. Voilà, on est en direct. Allez, à nouveau, très bonjour à tout le monde. Voilà, je suis Myriam Erkouger, voilà. Et je pense que je ne l'ai pas dit, mais voilà, comme ça vous me connaissez aussi. Et je continue ma promenade par Luxembourg, en train de rencontrer des poètes, des écrivains, des photographes, un peu tout le monde de l'ambiance artistique et culturelle ici à Luxembourg. Aujourd'hui, avec nous, je suis vraiment très 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 contente d'avoir, si je parle de poésie, il y a Lambert Piré. Voilà, la classe aujourd'hui. On est avec Lambert aujourd'hui. Donc, dis-moi Lambert, maintenant, tu es en train de travailler sur quoi actuellement, avec tout ce qu'il y a avec le Covid, qu'on a eu, voilà, on a annulé tellement d'événements et tout. Est-ce que tu travailles sur quelque chose? J'ai pas changé mon genre de travail, c'est-à-dire dans ce sens, le Covid n'a rien fait du tout, parce que mon travail consiste à être assis à ma table et à écrire. Donc moi, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, ça n'a rien changé à mon train-train de travail. Quelque chose, un projet là J'en ai tout le temps plusieurs. C'est-à-dire là, là dans quelques semaines va sortir mon sixième recueil de Nevin chez Fille, dans un beau format avec une cinquantaine de dessins de maçon. Ce sera un album un peu extra. Par ailleurs, je continue à travailler sur mon projet depuis toujours, c'est-à-dire les proses de du murmure du monde, et là j'ai trois manuscrits divers en travail sur lesquels je vais tour à tour, parce que ça dépend de la longueur des textes. Il y a un livre qui est calibré strictement à la page, ça c'est un projet, l'autre quand je sens que ça va déborder la page, ça va être 5, 6, 7, 8, 10, 15 pages, ce sera un autre livre, et puis un autre avec des morceaux numérotés. Là, je suis déjà à, disons, presque 400 pages. Wow. Ça va en avoir 500 quand j'aurai terminé. Donc, ça me permet, selon l'humeur et selon le moment, de passer de l'un à l'autre. Voilà. Ça, c'est bien. Alors on va faire un tac au tac. Tout le monde, des questions rapides. Donc, on va commencer. Tic tac, tic tac. Si toi, tu ne serais pas écrivain, tu serais jardinier. Ok. Est-ce que tu as un surnom ou tu as eu un surnom? En fait, non, jamais. Si, mais tout premier texte, je les ai publiés sous pseudonyme. Mais sinon, j'ai toujours signé de mon nom. Voilà, je suis derrière ce que j'ai écrit. Oui. Mais si tu pourrais inviter trois célébrités à dîner avec toi, mort ou vivant? Mort ou vivant? Ah oui, on mélange tout. Une petite choucroute avec, avec Montaigne, Spinoza et Pascal Quignard. Ah. Ça ferait un beau trio. Voilà. Oui. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles le nom du premier texte que tu as publié? Oui, je pense que j'en ai fait allusion, je les ai publiés sous pseudonyme dans le Land. J'avais, je pense, 19 ans. Et c'était une suite de ce que j'ai fait déjà plus tard aussi. C'est-à-dire des petites réflexions, des fragments, etc. Je les ai retrouvés par hasard il y a quelques mois. Oui, parce que le Land maintenant... Mm-hmm. On peut l'avoir électroniquement. Et je me suis rappelé le pseudonyme que je m'étais donné. Parce que je ne trouvais pas ça en mettant mon nom sur notre nom. Fameux AZ. Hein, oui. On met toujours les... Mais il faut poser la bonne question. Et donc, quand je mettais mon nom, j'obtenais pas ça parce que je n'avais pas publié sous mon nom. Et j'étais moi-même un peu surpris que ça soit déjà
la manière d'écrire, les thématiques que j'ai ressassées, répétées, reprises 20, 30, 40 ans plus tard. Voilà. C'est fou, parfois le temps qu'on y pense. Hein. Bah, quand on y pense, on dit waouh, quand même. Dis-moi, ton auteur ou ton livre préféré? J'hésite pas une seconde, c'est un de mes invités, c'est Montaigne, c'est les essais de Montaigne. Montaigne est mon grand saint patron d'écriture. Okay. Dis-moi, quelle est la musique qui te fait danser? Ça te fait sentir bien? Je nommerai deux musiciens qui me font danser d'une toute autre manière. L'un, c'est Jean-Sébastien Bach, et l'autre, c'est Anne Lavant. Oui, c'est différent. Donc, si tu dois choisir écrire sur un cahier ou écrire directement sur le PC? Toujours cahier. Toujours la plume. Toujours la main. Oui. Moi, je suis avec toi, avec ça. Jamais direct dans l'écran. Non, moi non plus, j'avais la vérité, ça. Trois mots pour te décrire. Quoi? Trois mots pour te décrire. Vous me décrire? Oui, moi-même? Oui. Oh là là. Trois. Dioque, mais encore en vie de vivre et d'écrire. Est-ce que tu as un rituel avant de commencer à écrire? Non, pas vraiment, mais c'est effectivement un rituel. Je commence ma journée chaque jour à 8h pile, je me lève, prends mon premier café très fort et me mets à ma table et ouvre un des cahiers et commence à écrire. Ça, c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour. Avec une préférence donc du matin pour l'écriture. Il m'arrive de l'écrire l'après-midi ou le soir ou la nuit, mais les heures matinales sont sacrées. Je n'accepte jamais un rendez-vous, même chez les médecins, le matin, parce que mon matin, il est sacro-saint. Ah, oui. Parce que chaque jour, parce que consacré à l'écriture, chaque jour. Alors c'est sacré, là. C'est sacré, on n'y touche pas. Bon, écoute, on est arrivé à la fin de la vidéo. Pour suivre le travail littéraire de Lambert, vous pouvez suivre déjà son profil Facebook. Il y a aussi, tu me dis, un blog qui s'appelle Le Murmure du Monde. Oui. On va mettre on va mettre avec la description de la vidéo. Et on va ajouter tous les liens. Et je publie beaucoup sur Facebook. Oui, il y a les petites vidéos à écouter, les textes et tout ça. Mais je mettrai toute l'info dans le descriptif de la vidéo. Et je vous remercie tous d'être toujours là. Et je continuerai toujours ici à Luxembourg à me promener pour le moment. Et on profite de la plage ici. Et je vous donne la plage ici en plein centre-ville. Ouais. Le soleil et tout, on est gâtés, on va dire. On est en vacances. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour la série. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à toi d'avoir accepté. Allez, salut, ciao, ciao. Voilà, on termine. Impec.